On est content que vous soyez avec nous ce soir. We're happy that you're here tonight. Et je sais qu'on va avoir un bon temps. And we'll have a great time. Amen, 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 amen. Soyez les bienvenus au Centre Réveil. Welcome to Centre Réveil. Amen et bienvenue à toutes les églises qui sont représentées aussi and welcome ce soir. All the churches that are represented today, tonight. Amen. Amen. On va avoir le temps tout à l'heure de vous présenter les pasteurs. We'll present the pastors a little later on. Mais avant. But before. Êtes-vous prêt à louer le Seigneur? Are you ready to praise the Lord? Êtes-vous prêt à louer le Seigneur? Are you ready to praise the Lord? Allons-y. Come in front, venez en avant, venez chanter, danser, ça va nous faire plaisir. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que tu veux voir la gloire du Seigneur? Ooh, ooh, ooh. Sa gloire descend.
the Lord is near. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings.
ce soir. Alléluia. Hosanna. Parce que ton nom est. Hosanna. Alléluia. Tu es puissant. Hosanna. 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 Puissant dimanche dernier, et j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir le faire. On va faire mieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu, tu es si bon.
vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus c'est pas convaincant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Exalté, exalté. Exalté, exalté. Exalté, exalté. Exalté, exalté. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus ma partie préférée. Élevé, élevé. Encore une fois. Non, 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 non. Tu as envie de le louer? On est à court de temps, mais pas à court de louanges, n'est-ce pas? Il est bon d'être dans sa présence. Et j'ai envie de le louer.
Dieu, tu es si bon. Déclare que même les jeunes se fatiguent et même les meilleurs tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et courent et ne seront jamais fatigués. Avancent sans s'épuiser parce que la gloire du Seigneur les accompagne. Et c'est pour cela que nous entrons dans cette porte ce soir. Peux-tu chanter avec moi? J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi. Devant toi. Seigneur, de ton amour, de ta présence, Seigneur. Fais ce que tu veux ici ce soir. Tu es Dieu. Aucun Dieu n'est comme toi. Touche toutes les vies ici qui sont précieuses pour toi.
que personne ne sorte d'ici ce soir sans avoir été touché, changé par toi. Tournez-vous vers quelqu'un. Dites-là, Jésus est vivant. Il est vivant ici pour toi ce soir. Bienvenue à tous ce soir, on est content que vous soyez là. Welcome everyone, we're happy that you're here tonight. Hallelujah. Bienvenue les gens de Québec, les gens de Hearst, on est content que vous soyez aussi là. Et peu importe là où vous êtes dans la province, on est content de vous avoir au Centre Éveil ce soir. Amen. J'aimerais souhaiter particulièrement, Louise, bienvenue. Je demanderai à tous les pasteurs de se lever. Tous les pasteurs, je veux qu'on les accueille ensemble. Amen, 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 amen. Come on, on les accueille ensemble. Réveille-toi, pasteur Gabriel. Tu dors? Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Amen. On est content de vous avoir. On va mentionner peut-être les églises participantes. Ici, c'est votre église, je vais juste dire amen, OK? Alors, l'église de Chemin, pasteur Alain, Marie Caron. Oh, il y a beaucoup d'amen. L'église du Bon Berger, du Réveil et de la Lumière. Amen. Église de la Pêche à Wakefield. Vie abondante. Personne, OK. L'amour de Dieu à Maniwaki. Non? Centre Éveil International. Oh, ouais. L'église Source de vie, pasteur Savard, Bruno Savard. Yeah. Oh, bienvenue. On Centre Passion pour Jésus, c'est une association, ainsi que J'aime Gatineau. Est-ce qu'il y en a qui sont représentants? Oui, voilà. Non? Non. Oh, OK, excuse-moi. Elle était juste contente. Assemblée chrétienne, parole vivante de l'Outaouais. Amen. Bienvenue. Église du troisième jour. Oh, Alléluia. Right. Église des élus. Pasteur Arsène, non, personne. Et voilà, je pense que c'est toi. Est-ce qu'on a manqué? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont représentés ici ce soir? J'invite tous les pasteurs à s'avancer ici en avant. Je veux que vous voyez leur visage. We want you to see their faces. Amen. Écoutez bien. Je veux que vous compreniez quelque chose, peuple de Dieu. Ça, c'est les hommes les plus importants et les femmes les plus importantes dans la région. Ce sont les gens que vous devriez le plus honorer. Avant même notre premier ministre, sont avant eux autres. Even before our prime minister. Je veux qu'on les accueille ensemble. I want them to really. C'est les ouvriers de la dernière heure. These are the preachers of the last days. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen. Come on les accueille ensemble. Ministre, tous ceux qui sont ordonnés pasteurs de mon église, venez, venez. Ministre Jacqueline, ministre, hallelujah, venez aussi, venez aussi. On vous donne la permission. Hallelujah. Quelle belle équipe de Dieu, quelle belle équipe du Seigneur. Amen. Amen. On est tellement contents que vous soyez là. We're so happy that you were here. Oh, ça fait du bien. Amen. On va demander à grand-papa
We're going to ask Amen, joyeux. De prier. Amen. To pray. L'amour de Dieu. Love of God. Qu'elle soit répandue davantage dans nos cœurs. That it may be in our hearts more. Seigneur, c'est un privilège pour nous d'être ici ce soir. Father, it's a privilege for us to be here tonight. Seigneur, on ressent ta présence. We feel your presence in this place. On ressent ta présence. We feel your presence. Ta présence est forte. Your presence is strong. Seigneur, tu fais quelque chose de nouveau. Father, you're doing something new. Un nouveau jour. A new day. Une nouvelle saison. A new season. Pour cette région ici. For this region. Seigneur, merci papa. Thank you, Father. On te remercie. We thank you. On te demande que tu bénisses chacun de tes enfants. We ask that you bless every one of your children. Tous les pasteurs. Every pastor. Tous les frères et sœurs ici dans cette région ici. Every brother and sister in this region. Alors que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. May God shine his light upon you. Qu'il vous donne sa grâce. May he give you his grace. Que l'Éternel se tourne vers vous. May he turn his face towards et qu'il you. Vous donne sa paix. And give you his peace. Alors je vous bénis dans le nom de Jésus. Bless you in Jesus' name. Amen. On vous aime. Je vais demander aussi, Pasteur Bruno. Pastor Bruno. Vous savez, c'est Dieu qui a mis à cœur à cet homme de Dieu-là. God put in this man's heart. Qu'on puisse s'unir comme ça. That we might reunite together like this. Amen. Puis je tiens à vous dire, il n'y a pas de rivalité entre nos églises. I want to say that there's no rivalry or rivalry between us. Thank you. On va demander à Pasteur Bruno à son tour de prier. We're going to ask Pastor Bruno to pray. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur, pour qu'est-ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Thank you, Father, for what you're doing amongst us. Seigneur, ce n'est pas à propos de nous, Seigneur. It's not about us, Lord. C'est à propos de toi, Seigneur. It's about you. Ce n'est pas à propos de différentes églises, Seigneur. It's not about different churches. Mais à propos de ton royaume. But about your kingdom. De ton royaume, Seigneur. Your kingdom, Father. Seigneur, puisses-tu continuer de nous unir ensemble, Seigneur. Lord, may you continue to unite us together. De nous amener encore plus loin. Bring us even farther. Parce que, Seigneur, tu dis qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. You say that there's only one God, one Lord. Un seul Père. One Father. Tu es notre Père à tous et chacun. You are our Father, all of our Father. Devant toi, Seigneur, nous sommes tous égaux, nous sommes tous tes enfants. In front of you, we are all equal, all your children. Tu nous as appelés avec différents dons, différents ministères. You've called us with different gifts, different ministries. Mais travaillant pour un seul Père. But working for one Father. Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais de plus en plus au niveau de l'unité. Father, we thank you for what you're doing more and more as far as unity is concerned. Et Père, on prie que tu puisses continuer par ton Saint-Esprit à nous unir ensemble, Seigneur. We ask that you continue by your Holy Spirit to unite us together. Et je veux prier non seulement pour les églises qui ont participé dans ce temps de jeûne et prière. I don't want to pray only for the churches that participated in this time of prayer and fasting. Mais même pour ceux et celles qui peut-être n'ont pas participé dans ce moment-là. But also for those who haven't participated with us. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament que même certains allaient au combat et lorsqu'ils sont allés au combat. Et we see in the Old Testament that some have went to the combat and some have stayed back. Ils ont combattu, ils ont partagé avec ceux qui étaient restés. Those who went to the combat, they fought together, but they brought back the prize, the bounty to those who stayed back as well. Alors Seigneur, ce temps de jeûne et de prière n'est pas juste pour nous. Father, this time of prayer and fasting is not only for us. Mais pour toute la communauté chrétienne de l'Outaouais. But for the whole Christian community of the Outaouais region. Bénis chaque église, Seigneur. Bless each church, Lord. Que ce moment de prière et d'intercession dans ta présence. May this moment of prayer and intercession in your presence. Puisse ouvrir le ciel non seulement sur nous. Can open the skies and the heavens not only on us. Mais sur toutes les églises de l'Outaouais. But on all the churches of the Outaouais. Sur toute la région de l'Outaouais, au nom de Jésus, nous prions. Especially the region of Ottawa, of Outaouais.
In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. On va demander à Pasteur Jeanne de prier. We're going to ask Pastor Jeanne to pray as well. Hallelujah. Alingala. Alingala? Hallelujah. Alingala. Je vais prier en Chiluba. Achumba, oui. Non, je vais prier un peu en Lingala, je vais obéir. Zambé mnene, zambé na likolo, yo mutokeli likolo, yo salipe na se, zambé na biso, o siliko sangisa biso na esiko yo nzambe na kati na bolingo na yo yawe na biso o siliko lakisa biso bolingo na yo nzambe na ngai nazaliko bele la munene na yo na kati na biso nzambe tikete o mimoni sana kati ya motema ya moko na moko Eternel Dieu des armées, je bénis ton saint nom éternel. Tu as manifesté la démonstration de ton amour Seigneur en nous unissant ensemble El Shaddai. Nous bénissons Seigneur. Amen, amen, amen. Je traduis en français. Alléluia. 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 Seigneur, nous nous tenons à ce lien en tant que ton fils Jésus-Christ. Father, we want to unite together in the name of Jesus, your son. Éternel, tu nous as ramenés ensemble parce que tu veux nous reconstruire comme église. Father, you have brought us together because you want to reconstruct us as a church. Éternel, comme il est écrit que c'est toi qui bâtis ton église. Father, it is written that you will build your church. Éternel, il est temps que tu puisses nous reconstruire. Father, it is time for you to rebuild us. Merci Seigneur parce que tu prépares une église que tu viens chercher. Father, thank you that you are preparing a church that you are getting ready to come and get. Une église qui est sans tache ni ride. A church that is without stain or wrinkle. Nzambe totondi opozali nzambe malamu. Éternel, nous te glorifions parce que tu es bon Dieu. Father, we glorify you because you are a great God. Merci pour ce que tu fais au milieu de ton peuple. Thank you for what you are doing amongst your people. Nous recevons ton amour dans ces jours. We receive your love in these days. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. In Jesus' precious name. Amen. Merci. Yeshua, Yahweh, Yeshua. Non, je ne connais pas tout. Amen. On ferait le tour, mais on ne fera pas le tour. Puis vous êtes pas. Vous êtes aussi important, si, même si vous n'avez pas prié. You are as important if you Parce que je ne veux pas que personne se sente rejeté. I don't want anybody to feel Pasteur rejected. Alain, tu es correct? Pasteur Alain, you're okay? On vous aime tous. We love you all. On vous aime tous. We love you all. Puis on les aime tous. Êtes-vous d'accord avec moi? Merci, les pasteurs. Hallelujah. Puis on invite l'équipe pastorale du Centre Réveil. On vous invite tous en haut après. We want to bring up the pastoral staff of l'église Centre Réveil. In the front. Ceux qui veulent briser leur jeûne, vous pouvez monter en haut. Non, je pense qu'il y a des fruits seulement. Those who want to break their fast can go upstairs. There's only fruits, but... Amen. Ce soir, this evening, on va accueillir un homme de Dieu. We are going to bring up a man of God qui va prendre ma place dans 3 ans. Who's going to take my place in 3 years? Je veux qu'on l'accueille ce soir, Pasteur Mathieu Turpin. I want us Amen. To welcome him tonight, Pastor Matthew Turpin. Amen. Dieu est bon. God is good. Je suis un jeune pasteur. I am a young pastor. Mais j'aime Dieu de tout mon cœur. But I love God with all my heart. Sorry, guys. Oh. Satan, il veut nous attaquer de toutes sortes de façons. Non, non. Satan wants to attack us in Même all avec kinds les plumes. Écoutez, je trouve ça tellement spécial I find it so special de pouvoir s'unir ensemble to unite together. Parce que Dieu a dit Because God said,
Là où est-ce que l'unité, there where there is unity, il y a la force. There is strength. Il n'y a pas de division. There's no division. Et je crois I believe que dans la francophonie, in the francophone world, plus que jamais, more than ever, on a besoin we need de l'unité. Unity. L'unité entre nous unity between us va être primordiale is going to be essential pour pouvoir avancer dans les jours dans lesquels on vit. To go forward in the days in which we live. Ça fait trop longtemps it's been too long qu'on on marche dans la désobéissance à nos pasteurs. That we walk in disobedience to our pastors. Ou en désaccord. Or in disaccord. Peu importe si on n'est pas d'accord. No matter if we're in accord or not. On se met ensemble. We bring ourselves together. Et on travaille ensemble. We work together. Parce que chacun de nous. Because each one of us. On fait partie. We are part of. De ce grand casse-tête. Of this great puzzle. Chaque membre. Every member. Est essentiel. Is essential. Dans le corps. In the body. Tournez-vous vers votre voisin ce soir en disant tu es essentiel. And tell them you are essential. Puis soyez sincères. Be sincere. Laissez de côté tous vos différends. Put aside all your differences. Au Centre Éveil, depuis le début de cette année, yeah, at Centre Éveil, since the beginning of this year, on parle justement qu'on doit vivre dans le surnaturel. We talk that we have to live in the supernatural. Et pour vivre dans le surnaturel, and to live in the supernatural, je crois qu'une des clés, one of the key, c'est l'unité. Is unity. L'unité unity est la clé du surnaturel. Is the key of the supernatural. L'unité unity va débloquer is going to unleash les écluses des cieux. The heavens sur nos vies. On our lives. Puis je crois vraiment and I truly believe que ça va être pas l'unité que l'homme va vouloir essayer de créer. It's not going to be the unity that man wants to create. Mais c'est l'unité de l'esprit. But the unity that the spirit wants to create. Parce que l'homme peut essayer de faire des mouvements. Man can try to do things. Mais lorsque Dieu Saint-Esprit, but when God, Holy Spirit, lui se met en mouvement, he puts himself in movement. C'est surnaturel. That's supernatural. Et je crois. And I believe. Que le géant, that the giant, dans cette région, in this region, qui est le corps de Christ, that is the body of Christ, doit se lever, must stand, et doit ensemble, and we must together, porter l'épée, carry the sword, de la parole de Dieu, of the word of God, ici même, here in this place, et dans les nations, and in the nations. Je crois I believe que chaque membre, chaque pasteur dans ce lieu each member, each pastor in this place fait partie de ce géant. Is part of that giant. Parce que tout seul, because alone, on ne peut pas accomplir la grande mission. We cannot accomplish the greater mission. Amen. Amen. Chacun d'entre vous, vous êtes spécial. Each one of us, we are special. Et je remercie le Seigneur qui me donne le privilège de pouvoir vous partager ce soir. And I thank God that he's giving me the privilege to share with you tonight. Je suis déjà arrosé du Saint-Esprit. I'm already watered. Mais je suis content aussi que Pasteur Jean, mon père, and I'm also happy and je veux l'honorer. My pastor, my father, my pastor, Pasteur Jean. Je veux l'honorer parce que durant toute ma vie, I want to honor him because all through my life, il m'a démontré he showed me une vie unie à Dieu. A life that was united to God. Puis je crois and I believe que malgré nos faiblesses ou nos manquements, even through our weaknesses and our failures, les gens vont voir notre relation avec le Tout-Puissant people are going to see our avant toute chose. With Christ before anything. Ils vont voir notre sincérité de vouloir aimer Dieu. They're going to see our sincerity to love God. Parce que si on n'aime pas Dieu, because if we do not love God, puis vous savez, c'est pas un effort humain. And you know, it's not a human effort. Dieu nous aime tellement, tel God que nous loves sommes. Us so much. Vous savez, souvent on prêche. Sometimes we preach. Ça devient un fardeau pour le peuple. And it becomes
a burden for the Mais people. Le Seigneur Jésus But Jesus Christ veut nous démontrer wants to demonstrate sa grâce his grace en abondance. In abundance. Cette nation, this nation a besoin needs de la grâce de Dieu, the grace of God. De leur montrer we need to show them que nous sommes une lumière, that we are a light, que nous allons éclairer, that we are going to illuminate, qu'on va leur donner une bonne nouvelle, that we're going to give them a good news. Pas le désespoir, not put false hopes. La loi tue. The letter kills. Mais l'esprit But the spirit donne la vie. Gives life. Elle donne le désir. It gives us desire de pouvoir avancer to go forward avec Dieu, with God, avec son esprit, with his spirit, pour pouvoir conquérir, to conquer, pour pouvoir vaincre, to conquer. Pas par nos propres forces, not by our own strength, mais par son esprit, but by his spirit. Et ce soir, and tonight, unis, united, premièrement avec son Saint-Esprit, with his Holy Spirit, on peut être unis avec, on peut être réconcilié vraiment avec soi-même. We can be reconciled with on peut s'aimer soi-même. We can love ourselves. Et puis après, on peut aimer les autres. And we can love others. Mais ça commence avec notre relation avec notre Père Céleste. But it begins with our relationship with si our notre Father. Unité avec Dieu est forte, if our relationship, if our unity with God is strong, puis je vais vous dire quelque chose juste pour vous encourager rapidement. I'm going to tell you something just to encourage you. C'est pas en cause que vous allez jeûner pendant deux semaines. It's not because you're going to fast for 2 weeks. Ou que vous allez prier trois heures ce that soir. That you're going to pray 3 hours tonight. Mais c'est par sa grâce. But it's by his grace. C'est à cause de lui. It's because of him. De l'œuvre qu'il a déjà accomplie. Because of what he has already accomplished. Pas l'œuvre de la loi. Not the works of the flesh pas la, or of the law. L'œuvre d'un homme. Not the works of the man. L'œuvre de Dieu. But the work of et God. De sa grâce pour and nous. His grace for la us. Loi nous pousse au péché. The law pushes us towards sin. Mais la grâce nous libère. But grace sets Amen. Us free. Amen. Je commence à rentrer dans mon message pour la semaine prochaine. Dans deux semaines, mais... Je veux juste partager juste quelques petites histoires très comiques sur l'unité. I just want to share a few funny stories that I found on Unity. Rick Warren a dit ceci. Rick Warren has said this. Les chrétiens, comme des flocons de neige, sont frêles, mais quand ils collent ensemble, ils peuvent arrêter le trafic. Christians, like snowflakes, are frail, but when they stick together, they can stop traffic. Rick Warren. Je vous en lis un autre. I'll read another one. Il est correct d'être en désaccord, mais de le faire agréablement. Nous pouvons être d'accord d'être en désaccord jusqu'à ce que le Seigneur te montre que j'ai raison. Non. It is okay to disagree, but do it agreeably. We can agree to disagree until the Lord shows you that I am right. Harry Ramey. Regardez ça, c'est une vraie histoire. This is a true story. Un pasteur. Comment unifier une église? To unify a church. Le pasteur Eric Daniel Harris, de 37 ans, plaide coupable à l'incendie criminel qui a brûlé l'église baptiste de missionnaires du Kentucky dans le comté Saline à Arkansas en novembre 1996. Selon un procureur fédéral, M. Harris a dit qu'il l'avait fait parce qu'il y avait une division parmi les membres de son église et qu'ils avaient besoin d'un projet pour les unifier. Former pastor Eric Daniel Harris, 37, age 37, pled guilty in November to the 1996 arson that burned down the Kentucky Missionary Baptist Church in Saline County, Arkansas. According to a federal prosecutor, Harris said, he did it because there was a division among the church members and they needed a project to unify them. C'est tellement vrai. It's so true. Puis malheureusement, but unfortunately, souvent on attend une tragédie pour s'unir davantage. Often we wait for a tragedy to unite ourselves. N'attendons pas let's not wait que l'ennemi that the enemy essaie de nous éparpiller tries to disunify us or separate us pour s'unir to be able to unify davantage.
Je remercie le pasteur Bruno, I want to thank Pastor Bruno pour sa fidélité for his fidelity dans ce mouvement de prière cette semaine d'unir les églises. In this move of prayer this week to unify the churches. Je crois vraiment que c'est Dieu Saint-Esprit qui l'a guidé. I believe that God the Holy Spirit has parce que je crois really given him a vision. Davantage because I believe that even more in the days to come. On a besoin d'être unis ensemble. We need to be unified together. Je crois vraiment que l'unité est la clé I believe that unity is the key pour le dernier mouvement surnaturel de Dieu. The last move, the supernatural move of God. L'unité et l'accord. The unity and the accord. Vous savez que l'unité, c'est un des thèmes principaux du livre des Actes. You know, unity is one of the greatest terms in the book of Acts. Regardez Acte 1:14, ils étaient tous d'un commun accord. If you look at Acts 1:14, the Bible says they all continued with one accord in prayer. Acte 2:1 nous dit Acts 2:1 ils étaient tous ensemble au même endroit. Acts 2:1 says we were all in one accord in one place. Acte 2:46, tous ensemble assidus. Assidu veut dire qu'ils se trouvaient tous régulièrement dans le lieu où ils devaient être, au temple, d'un même accord. Acts 2:46 says, so continuing daily with one accord in the temple, and here, continuing daily in one accord meant that they were found regularly in the temple place where they should be. Acte 4:24 nous dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Acts 4:24 says they raised their voice to God with one accord. Puis j'aimerais ça pouvoir à ce moment-ci inviter Madeleine Lajoie. Elle va faire des déclarations. Puis je crois vraiment que c'est un signe prophétique aussi. Alors si on peut juste se lever, nous allons déclarer ces paroles ensemble et nous allons vivre la victoire, une victoire. I want to invite Madeleine, who is going to come tonight and give some declarations to unify us together as a sign of faith. Comme il est agréable et qu'il est doux pour nous d'être unis ensemble, nous déclarons qu'une onction fraîche et précieuse est déversée sur chacune de nos églises. As it is good and pleasant for brothers to dwell together, we declare that a fresh and precious anointing is being poured over each of our churches. Pasteur Mathieu préfère qu'on le déclare. OK. Pastor Matt mais wants non, us to declare aussi. It together. Therefore, we're going to say a few words and then we're going to repeat. Okay. Comme il est agréable et qu'il est doux pour nous d'être unis ensemble, nous déclarons qu'une onction fraîche et précieuse est déversée sur chacune de nos églises. As it is good and pleasant for brothers, present for brothers to dwell together, we declare that a fresh and precious anointing, is being poured over each of our churches. Nous déclarons qu'à cause de notre unité, Dieu commande. À la bénédiction d'être avec nous et que les signes et les prodiges se manifestent continuellement dans nos églises. We declare that because of our unity God commands blessings on us and that signs and wonders are continually being manifested comme une corde à trois brins ne seront pas facilement. Nous déclarons que nos cœurs sont liés, solidement, et que nous sommes tissés ensemble par l'Esprit de Dieu pour un seul but et une même destinée.
As a threefold cord. As a threefold cord. Is not easily broken. Is not easily broken. We declare that our hearts. We declare that our hearts are tightly knit together. Are tightly knit together. And by the Holy Spirit, and by the Spirit of God, by the Spirit of God, for a common purpose and destiny. For a common purpose and destiny. Deux autres, OK? Nous déclarons que les cieux sont ouverts sur la région d'Ottawa-Gatineau et que c'est le jour de la faveur de Dieu. Nous décrétons que le climat spirituel de cette région change. Que les cœurs sont ouverts. Que les cœurs sont ouverts. Que le temps d'une grande moisson est arrivé. Que le temps d'une grande moisson est arrivé. We declare that an open heaven is over the Ottawa-Gatineau region. We declare that an open heaven is over the Ottawa-Gatineau region. It is a day of God's favor. It is a day of God's favor. We decree that the spiritual climate is changing. We decree that a spiritual climate is changing over this region. Over this region. That hearts are receiving. That hearts are receiving. And that the day of great harvest is here. That a day of great harvest is here. Nous déclarons que la prière de Jésus dans Jean 17 s'accomplit aujourd'hui parmi nous et que le monde reconnaîtra que le Père a envoyé Jésus à cause de l'amour qui nous unit. We declare. We declare that the prayer of Jesus, that the prayer of Jesus is now being answered today, is now being answered today among us, among us, and that because of our love, and because of our love, the world will know, the world will know why Jesus was sent, why Jesus was sent. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus que ces paroles Seigneur sont vraies et justes. Father, we thank you for that word that is right and just. Alors, vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Vous savez, une puissance. You know, a power. Lorsqu'on déclare ensemble. When we declare together. Le dernier verset dans Actes 5, 12 qui nous dit beaucoup de miracles et de prodiges. Last verse in Acts 5, 12 that says, signs and wonders were done among the people. Se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Were done by the hands of the apostles. Ils se tenaient tous ensemble. And they were all in one accord. Ensemble. Together. Nous allons aller plus loin. Together we will go farther. Ensemble. Together. Nous allons aller chercher plus d'âmes. We're going to get more souls. Ensemble. Together. On va faire un plus grand filet. We make a bigger net. Sur la région. On the region. Vous savez, ça prend, il y a chaque membre. We need each member. Vous savez, chaque membre sont tellement particuliers. Each member of the church is so particular. Pensez à votre voisin. Think of your neighbor. Moi, j'ai juste à penser à ma femme. I just need to think of my wife. Elle est tellement particulière. She's so particular. Vous savez, elle fait les choses d'une certaine manière. She does things in a certain way. Que peut-être personne d'autre sur la terre fait comme elle. That probably nobody else on earth does. La personne à côté de vous. The person beside you. Va recevoir. Is going to receive. Concevoir. Conceive et voir les choses complètement différentes. And see things completely different than you will. C'est pour ça qu'on a besoin l'un de l'autre. That's why we need each other. Quelqu'un va voir quelque chose d'important. Somebody's going to see something important. Mais l'autre personne va voir moins important. But the other person is going to see it less important. Mais ça veut pas dire que si on voit la chose moins important. But it doesn't mean that if we see the thing less important. Que ce n'est pas important. That it's not important. Vous comprenez? You understand? Vous savez, dans le couple. In a couple, on nous dit toujours qu'il ne faut pas négliger les sentiments de notre voisin. We always say that we're not supposed to neglect the feelings of our neighbor. Puis c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. And that's something that I had to learn. Moi, quand j'avais peur des araignées, when I was scared of spiders, ma femme n'a pas négligé mes sentiments. Elle trouvait ça drôle. My wife did not neglect my feelings. Ouais. She found it funny.
Parce que je savais que je pouvais être libéré de ça. J'étais libéré de ça d'ailleurs. I knew I could be freed from. Maintenant, j'ai plus peur des araignées. Fear. Man, now I'm not afraid of spiders. Mais c'est tellement important de ne pas négliger. But it's so important not to neglect. Les sentiments. Comment est-ce qu'une personne se ressent? How people feel. Sinon, vous allez le savoir. Tournez avec moi dans Philippiens 2. Turn with me in Philippians 2. Versets 2 à 8. Verses 2 to 8. Alors, de verset 2 à 8, ça nous dit ceci. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippians 2:2-8 says, Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Amen. Oh, c'est là. Puis respirer après ça. Alors, un même sentiment. One same feeling. Un même sentiment. One same feeling. Vous savez, quand on travaille en équipe, you know, when we work as a team, des fois, on peut se bousculer. Sometimes we can push each other. Qui sait ici sait que des fois, ça veut-tu dire qu'on s'aime moins? Does that mean that we don't love each other as much? Des fois, on peut se piler sur les pieds. Sometimes we can step on each other's toes. Des fois, on peut se faire des choses qui sont peut-être moins bien. Sometimes we can do things that are not as good. Mais je veux vous dire quelque chose. Celui qui est le plus mature, but the more mature person va pardonner en premier. Is going to forgive first. Va oublier plus vite. Is going to forget easier. Vous savez, des fois, c'est dur lorsqu'on pense qu'on a été blessé. Sometimes it's hard when we think that we've been wronged. Mais je vous encourage. But I encourage you. Peu importe. No matter what. Aimer malgré tout. Love no matter what. Hébreux 4:12 nous dit que la parole. Hebrew 4:12 says that the word of God. De Dieu vient. It comes. Et puis elle trie. Ça nous dit qu'elle juge. It says that it judges. Les sentiments et les pensées du cœur. The feelings and of the heart. Le mot juger ici c'est le mot arbitre. The word judge here is the word referee. Alors on sait ce qu'un arbitre fait. That's what a referee does. Lorsqu'on a un sentiment, when we have a feeling, parce qu'on peut tout en avoir, we can all have feelings. On peut avoir des pensées. We can have thoughts. Est-ce que ces pensées s'alignent avec la parole de Dieu? Do those thoughts align themselves with the word of God? Vous savez, l'arbitre va siffler lorsque il y a un joueur qui a brisé les règles du jeu. The referee is going to whistle when a player has broken the rules of the game. Puis parfois nos sentiments veulent briser les règlements de la parole. Sometimes our feelings want to break the rules of the word of God. Mais la parole intervient. But the word of God intervenes. Sens-toi pas comme ça. Don't feel that way. Parce que ma parole dit. Because my word says. Et c'est pour ça d'être rempli de la parole de Dieu. And that's why being filled with the word of God va nous faire des chrétiens victorieux. Is going to make of us victorious Christians. Puis parfois on va piler, on va dire est-ce que c'est des faux sentiments ce que je ressens? Sometimes we're gonna ask ourselves, are these false feelings that I have? Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que j'ai été blessé dans le passé? J'ai besoin de guérison. Have I been wronged in the past and hurt in the past? I need healing. Pour travailler ensemble. To work together. On va devoir parfois être, on va peut-être être blessé.
to work together, sometimes we are going to be hurt. On va pas comprendre. We're not going to understand. Mais peu importe. But no matter what, on va aimer. We need to love. Amen. Amen. Un même amour. A same love. Vous savez que la seule façon qu'on peut avoir l'amour dans nos cœurs, c'est si Dieu Saint-Esprit la déverse en nous. You know, the only way that we can have God's love in our hearts is if He pours it Himself in us. Je peux même pas aimer. We can't even love. Si Dieu ne dépose pas son amour en moi. If God does not put His Remercions put his Dieu love in our ce heart. Soir pour son amour qui est déversé dans nos cœurs. Let's thank God tonight for His love that has been poured in our hearts et by His Holy Spirit. And His Holy Spirit est ici ce soir. Is here tonight. Et si vous avez un plus d'amour, if you need more love, faites juste lui demander. Just ask Him. Tout simplement. Simply ask Him. Vous savez, j'étais fatigué dernièrement. Je suis revenu de vacances. Des fois, on ne devrait pas être fatigué. I was tired lately, and I've just come back from holidays, and you're not supposed to be tired. Épuisé. Complètement toute mon énergie. Completely tired. Au point, je me levais, puis j'étais presque étourdi, comme. I was almost dizzy. Si j'ai de la misère à respirer, tout ça, je suis comme. Had whoa. Problems breathing. Puis là, je m'ai juste comme couché, puis j'ai juste pris la parole de Dieu. I just went to bed and I took God's word. Je me suis juste couché dans mon sofa chez nous, j'ai pris la Bible. I took God's word and I went on my sofa. Puis j'ai trouvé des versets sur la force. And I found verses on strength. J'ai juste médité là-dessus. And I just meditated on those verses. Parce que dans les moments, in the moments, parce que nous on n'a pas la force, when we don't have strength, lui a la force. He has strength. Et puis je m'ai senti, yes, au même instant, in that same moment, j'ai senti la force, I felt strength, d'El Shaddai, of El Shaddai, le Tout-Puissant, the Almighty, celui qui nous fortifie, the one who strengthens us, celui qui relève notre tête, Peut-être vous avez été dans des combats. Maybe you have been in war in Mais difficult sortez places. Du combat. Come out of the war zone. Parce que Dieu a vaincu. Because God has conquered. Dieu a vaincu, frères et sœurs. God has conquered. Hallelujah, son amour est dans notre cœur. His love is in our hearts. Il nous donne la force d'aimer. He gives us strength to love. Un même âme. One same soul. Une même pensée. One same thought. Vous savez, la plus grande chose pour l'enfant de Dieu, je crois que c'est l'humilité. I believe that one of the greatest things for the people of God is humility. Si on veut garder l'unité, if we want to keep unity, faut avoir l'humilité. We need to have humility. Celui qui est plus humble, the one who is more humble, va arrêter les disputes, is going to stop the disputes. Même si dans son cœur, il sait que l'autre n'a pas raison. Even if he knows in his heart that the other is not right. Puis il va laisser Dieu Saint-Esprit convaincre. And he's going to let God the Holy Spirit convince. Amen. L'humilité. Humility. Christ s'est humilié jusqu'à la croix. Christ has humiliated himself even to the cross. Il était capable de se libérer. He was able to free himself. Mais il a accepté. But he accepted. Avec humilité. With humility. Amen. Alors juste, je veux juste terminer sur ce point, puis j'ai un vidéo assez comique que j'aimerais vous montrer aussi. I just want to finish on this point, and I have a video to show you that is very funny as well. J'ai parlé de l'humilité. I spoke of humility. Excusez. Et l'humilité. I spoke about unity. Okay, unity. Mais maintenant, je veux juste parler de l'importance de l'équipe. I just want to speak of the importance of teamwork. Puis dans Ecclésiaste 4:9, in Ecclesiastes 4:9, ça nous dit ceci. It says this. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Assez d'hommes orchestre. One man show. One man show. They're pas d'homme orchestre. There's been enough one man shows. Pas de pasteur orchestre. No pastor one man shows. Hallelujah. Merci Seigneur pour mon équipe de multimédia derrière. J'ai pas besoin d'être sa caméra. Father, thank you for my team that's in the back on the multimedia. Mixeur, I don't have to be there. They're doing son. It for me. They're doing the sound, the mixing for me. Je vous encourage. I encourage you. Trouvez des gens autour de vous. Find people around you. Que vous pouvez déléguer. That you can les tâches. Delegate. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir davantage. That's how we're going to be able to grow. Déversez-vous dans quelqu'un d'autre qui a besoin de vous. Pour yourselves out. Vous savez, vous avez des talents.
You have talents. Vous avez des choses you have things que l'équipe a besoin. That the team needs. Vous savez, on peut accomplir beaucoup plus we can accomplish ensemble. A lot more together. Mais on doit marcher avec, dans le même esprit. But we have to walk in the same spirit. Et notre but doit être commun. And our goal has to be the same. Le royaume de Dieu. God's kingdom. L'avancement du royaume. The growth of God's kingdom. De voir les âmes venir à Christ. To see the people moi, come je veux to voir Christ. Des millions d'âmes venir à Christ. I want to see millions of people come to Christ. Pas juste Reinhard Bonnke. Not just Reinhard Bonnke. Mais le Centre Réveil International. But the Centre Réveil et toutes vos églises. And every one of our churches. Devriez viser plus haut. We need to plus raise loin. Our expectations. Parce que si on est capable d'accomplir notre vision. Because if we can accomplish God's vision. Si on est capable d'accomplir notre vision, ce n'est pas la vision de Dieu. If we can accomplish our vision, it's not God's vision. Moi, je crois que ça prend des générations pour accomplir dans une vie. Dieu peut nous mettre quelque chose, mais si votre vision meurt avec vous, if your vision dies with you, vous avez manqué le but. You missed the target. Le but, c'est de pouvoir de génération en génération. On a un Dieu qui va aller plus loin. The goal is to have souls one generation to generation. Mon to fils go farther. Va aller plus loin que moi. My son is going to go farther than I am going to. Ça a été prophétisé. It was prophesied. Et je le crois. And I believe it. Je le crois. Il est tellement tête it. Dure. He's so hard-headed. Je l'aime tellement. Mais vous savez, l'amour est patient. Parce que moi aussi, quand j'étais love jeune, j'avais patient. La tête dure. Pasteur dit amen. When I was young, I also had a hard head. Merci de confirmer. Vous savez, on a besoin de l'équipe pour confirmer. Thanks, Dad, for confirming that. Mais c'est vrai, des fois, sometimes, on pense qu'on l'a l'affaire. We think we have it. Puis on a besoin d'une équipe autour de nous. We need a team around us. Qu'on veut accepter qu'ils sont capables de nous dire qu'on l'a pas. That we can accept that. They can tell us that we don't have it. Ici au Centre Réveil, here at Centre Réveil, on croit que tu peux chanter. You can sing. Si tu chantes bien, if you sing well, tu vas être devant. You're going to sing in front. Mais si tu chantes faux, but if you sing, if you don't sing well, for the lamb, for the lamb, ça va rester dans la douche. It's going to stay in the shower. C'est un exemple. Just an example. Mais faut qu'on soit capable de dire aux gens. We have to be able to tell être people. Être vrai. The real things to be true with them, be real amour, with love. Davantage en francophonie, on a besoin de ça. We need that in the francophone world. Moi, to be j'ai true. Besoin. I need que mon équipe that my team puisse me dire can tell me quand je fais des erreurs. When I make mistakes, je dois être assez humble. I have to be pour les humble accepter. Enough to accept it. Ou pour regarder dans ma vie. And to look into si my peut-être life, oui, je fais des erreurs parce qu'on n'est pas parfait. And say yes, I make mistakes because we're not perfect. Y a-t-il quelqu'un de parfait ici ce soir? Is there somebody perfect here tonight? Amen. On a besoin de chacun du membre dans le corps. Je veux qu'on regarde une vidéo ensemble après. On veut prier ensemble, juste finir en un moment de prière. Mais je veux qu'on regarde cette vidéo qui est comique. I want us to see this video. Si that's vrai. Funny. Oh, yes. Ça vient. L'union fait la force. Ils voulaient attaquer un crabe, ils sont tous mis ensemble. Continue, ça continue. Et on fait la force. Unity. It's smarter to travel in groups. Amen. L'union fait la force. Unity is our strength. L'équipe. Team. L'équipe. Chaque membre de l'équipe est every important. Member of the team is important. Vous êtes important. You're important.
J'aimerais ça qu'on peut juste se lever, si on parle les musiciens. We could just stand together and invite the musicians. Puis lorsqu'on louait ensemble, vous savez, il y a une victoire lorsqu'on loue Dieu ensemble. When we were praising together, there was victory there. Puis je veux juste qu'on puisse terminer avec un chant de victoire ce soir. I want to finish this evening with a song of victory. Puis peut-être que tous les pasteurs, on pourrait peut-être venir danser devant. Maybe all the pastors could come forward and just savez, dance. J'étais dans une conférence à New York. I was in a conference in New York. Il y a des années de ça. Years ago. Et puis, vous savez, les pasteurs, votre peuple va seulement reproduire ce que vous êtes. You know, pastors, your people are only going to reproduce who you are. Je me parle aussi à moi-même. And I'm speaking to myself. Des fois, on a besoin d'être libéré. Sometimes we need to be liberated. Vous savez, nos frères africains sont très libérés. Our African brothers and sisters are very liberated. J'étais allé en Afrique, en Côte d'Ivoire, au mois d'octobre. Avec le pasteur Jean. With Pastor Jean. J'ai aimé la chaleur. I loved the heat. Non seulement du pays, mais du peuple. Not only of the c'est des place, gens qui sont chauds. There are people that are ça danse. They love dance. Il n'y a plus de limites. There's no limits. Et puis ce soir, and tonight, on va juste danser ensemble. We're just going to dance together. On va juste célébrer. We're going to celebrate. Puis on va dire à Dieu and we're going to tell God qu'on va avoir la victoire. That we want to have the victory. On va faire un geste prophétique. We're going to do a prophetic gesture tonight. On va danser, on va chanter comme on n'a jamais fait. We're going to dance and we're going to sing like we've never minutes, done. Quelques minutes, juste pour louer Dieu left, tout notre cœur. Just to pray. Praise God with ensemble, all our heart, together, unis, united, une voix, one voice, qui crie vers Dieu, that cries out to God, qui dit on a la victoire, that says we have victory, on a la victoire, we have the victory, peu importe les circonstances, no matter what the circumstances peu importe les situations, no matter what the situations on va déclarer are, la victoire, we are going to declare victory here tonight, dites j'ai la victoire, say we have the victory, par le sang, by the blood, de l'agneau. Of the Lamb. Il a vaincu. He has won the victory. Sur la croix. On the cross. Amen. Peut-être qu'on peut chanter, je sais pas, un chant de victoire. Mon papa. Est-ce qu'il est votre papa ce soir? On va le déclarer ensemble qu'il est notre papa, fidèle. Puis je veux que les pasteurs vous démontrent. Comment est-ce qu'on danse sur notre chanson thème? Pasteur Denis, oh! Pasteur Denis. Pasteur Denis n'a rien fait ce soir. Pastor Denis is going to je pense que le tonight. Seigneur avait réservé ce moment him. Juste pour toi. Just for him. Il dit, je suis disponible à faire n'importe quoi. Ça fait que voilà, on a trouvé. Tiens, tu veux l'entonner pour nous avec... Et fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre. Oh, oh, car Yahweh m'a libéré. On y va. Mon papa est fidèle.